nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens en nos cœurs pour nous ouvrir à l'appel de notre Mère du Ciel aujourd'hui, à l'urgence de la prière pour le monde qui souffre, qui ne prie pas, qui ne croit pas en Dieu. Merci, chère Mère, pour ta confiance et ton appel aujourd'hui à collaborer avec toi au triomphe de ton cœur immaculé par le moyen de la prière. Chers enfants, je vous appelle à être prière pour tous ceux qui ne prient pas. Merci d'avoir répondu à mon appel. Merci Marie de nous apprendre à prier, de nous apprendre à comprendre que prier, c'est être entièrement tourné vers l'amour éternel, dans une conversation continuelle, pleine de tendresse et de confiance, avec notre Dieu d'amour qui est au ciel et qui s'est fait tout proche de nous en Jésus, ton Fils, pour nous sauver, pour nous montrer le seul chemin qui mène à lui. Marie, Mère de la prière, tu nous appelles à être prière, à être toute donnée avec amour, comme une hostie vivante, un tabernacle de l'amour pour tous ceux qui ne prient pas. Dieu connaît nos faiblesses, Dieu connaît nos incapacités, Dieu connaît nos résistances, et pourtant, Dieu t'envoie encore aujourd'hui pour que tu nous appelles à être prière pour le monde, avec ce que nous sommes, avec nos talents et nos pauvretés. Un seul chemin est possible, le chemin de l'amour. Quand il y a l'amour dans vos cœurs, il y a aussi la prière. N'oubliez pas, chers enfants, que je suis avec vous et que je vous aide par ma prière, afin que Dieu vous donne la force d'aimer. Merci Vierge Marie, Mère de l'amour éternel, de nous aider par ta prière, d'être avec nous sans te fatiguer et de nous conduire sur le chemin de l'amour véritable, de l'amour désintéressé, de l'amour divin, de l'amour qui supporte tout, de l'amour qui endure tout, de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de l'amour qui est patience, miséricorde, paix, joie, espérance et charité. Aujourd'hui, Marie, nous t'adressons nos pauvres prières pour tous ceux qui ne prient pas, pour tous ceux qui ne croient pas que par la prière, Dieu peut tout, pour tous ceux qui se sentent abandonnés du ciel, pour tous ceux qui vivent dans les ténèbres. Nous te remettons tout notre être dans une seule et même prière, en renouvelant notre consécration à ton cœur immaculé, pour que Jésus, Dieu fait homme, vienne à notre secours et au secours du monde entier qui ne prie plus. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen.